C'est ça qu'il faut que je dise alors. J'aime. Là, c'est ça. Vas-y, la taille de ton choix. Ça sera la surprise du chef. Ça va être la taille de son choix. Vas-y, attaque. Voilà. D'accord, premier, on est cible. Vous avez vu le pouce en haut. La main comme ça. D'accord. Et le ventre surtout. Et même si on a l'habitude, ça peut arriver pour le loup. Et vous, ça passe devant. Ok. Donc ça, c'est important. Vas-y, recommence la même. On va t'attaquer là-dessus. Voilà. Vous avez vu, je vais louper avec mes doigts. Mais ça passe. Hein. Je ne suis pas blessé. Ça peut arriver. Recommence. Et voilà. Une fois qu'on est ici, on intervient très très vite. On intervient sur quoi, à votre avis? Le bras, tout de suite. Lui, il est plus dangereux. Voilà. Tout de suite, on va choper là. Allez, hop. On désarme. Et voilà. Ok, je refais doucement. Vas-y, attaque. Là, ici. Je viens et je me déplace. En même temps que je me déplace, je refais en arrière. Voilà, je suis là. En même temps que je me déplace, regardez, je tourne son bras de façon à orienter son coude vers le haut. Je verrouille et je monte. Je désarme, si ça ne veut pas désarmer. Voilà, une clé de poignée par-dessus le marché. Donc, allez. Sur une attaque au couteau, ce qu'on peut faire pour se défendre. Donc l'agresseur, final, c'est lui qui se retrouve à taper dans une très mauvaise position. En face des deux agresseurs armés. Thank you.
Voilà Toulouse. Strasbourg. Voilà Toulouse. Comme ça, ok? Prêt? Alors bien sûr, chacun à votre tour. Il y en a un qui fait, paf, après c'est l'autre qui fait, boum. Ça roule? Alors moi je te prends pas. Et prenez de la place, il y a de la place. Ah, je vais mettre un peu de chauffage. Arrête de bouger. Là, on va compliquer un petit peu. Là, ce sont des fonds-là avec quelques projections. Donc là, on fait les chutes sur partenaire. Il y a différentes techniques que vous allez voir. Le jiu-jitsu, ce sont les mêmes techniques que le judo, mais en plus, on peut porter